Et bonjour à tous et à toutes, c'est Kilosoft166 pour vous annoncer quelque chose d'assez cool pour les gens qui aiment me suivre en live. Ça sera tout rediffusé jeudi direct à la sortie de Sekiro. Donc vous devez être nombreux à attendre hein, parce que je rappelle que la majorité de mes abonnés proviennent de Bloodborne et de Dark Souls 3. Donc voilà, bah les gars, je vous invite dès le jeudi 21 parce que il est fort probable que j'ai joué en avance. Si je l'ai pas en avance, ça sera le vendredi, pas grave. À l'instant même où je serai installé, je lancerai un stream, on peut pas dire marathon, dans le sens où je ferai des pauses pour dormir. J'essaye de négocier pour manger en stream, mais avec ma copine, c'est un peu compliqué de lui faire comprendre ça. Donc il y a de fortes chances que je fasse des mini coupures pour manger d'une heure. Mais en gros, dès que le jeu sera installé, on commencera avec une présentation du collector. J'aurai déjà déballé, on va pas le boxer ensemble. Bon, simplement raison que si le jeu met 3 heures à s'installer, on va se faire chier le temps qu'il s'installe. Donc dès qu'il est installé, je lance le stream. Donc le jeudi, j'espère vraiment avoir le jeu le jeudi, peut-être même le mercredi, de toute façon j'ai des vacances donc il n'y a pas de souci. Jusqu'au samedi où je risque de partir en week-end avec ma meuf, si ça se fait pas, jusqu'à ce que je termine le jeu. Donc ça va être peut-être 20h, 25h, 30h de stream sur 3-4 jours. Rassurez-vous, j'aurai tout prévu, j'aurai de la place sur le disque dur, toutes les rediffusions ne feront qu'une heure. N'hésitez pas à dire dans le chat, dans les commentaires si vous préférez avoir plusieurs épisodes d'une heure. Qui seront du coup envoyés sur vraiment beaucoup de mois, ou des épisodes, j'essaierai de faire grand max 3 heures et je couperai, parce que si je fais des streams de 10 heures, on va peut-être pas envoyer 10 heures d'un coup sur YouTube. Mais voilà. Ça c'était la première annonce. Franchement, bah, venez parce que voilà, je vais peut-être découvrir le jeu avant, pas tout le monde, mais j'aurai, j'espère en avance, j'ai souvent tous mes jeux en avance. Là, par exemple, demain, je sais qu'il y a de fortes chances que j'ai DMC8. DMC5, je dis 8 parce qu'il sort le 8, mais demain on sera le. Pas demain, après-demain, pardon, on sera le 6, donc aucun rapport. Du coup, en parlant de ça, au niveau des plannings des autres streams, parce que si, j'ai prévu et tout, ma meuf sera là, mais voilà, il y aura, enfin, il y aura des moments où elle travaille, des moments où elle arrivera. Mais normalement, ça, c'est prévu que je stream, donc je la dérangerai pas, elle est au courant. Généralement, je stream quand elle travaille et elle a encore changé ses horaires, donc pour les autres streams, il y aura juste DMC5 de prévu. Je vais être honnête, ça fait 2 semaines là que j'ai pas stream parce que j'avais besoin de faire un petit break. J'ai beaucoup stream sur janvier-février, quasiment tous les 3 jours. 3 fois par semaine, je veux dire. Sur les autres streams, elle a changé ses horaires, du coup ça va être beaucoup plus compliqué. Elle finit beaucoup plus souvent à 15h, ou des fois, donc 15h, ça me fera commencer les streams à 11h. Parce que j'aime bien avoir faire des streams de 4h, plus ou moins. Il y aura aussi d'autres streams qui seront l'après-midi, d'autres qui seront en soirée quand elle fera des nuits, etc. Donc il y aura beaucoup d'adaptations. Voilà, c'était 2-3 infos que je voulais vous donner. On va faire court. Par rapport au fait d'avoir passé mes rediffs à 4 heures, enfin, en fait, de renvoyer les rediffs de stream directement, je vais pas vous mentir, c'est tout bénef pour moi. Si on prend un épisode random d'un let's play, donc par exemple Tomb Raider qui a 21 vues pour 1 heure, ou Red Dead 2, pourtant Red Dead 2, voilà quoi, c'était un jeu vraiment très attendu, qui a 32 vues pour 1 heure, et qu'on compare à HN, qui est quand même vachement moins connu, Tomb Raider et RDR2, on est sur des épisodes qui durent entre 2 et 4 heures, qui ont chacun tous plus de 100 vues. Sauf le dernier qui a 85 vues. Alors ça paraît ridicule, hein, ce nombre de vues par rapport à mon nombre d'abonnés, mais il faut savoir que j'ai énormément de contacts. Je pense que c'est inactif ou des gens qui sont abonnés à moi mais qui ne regardent pas les vidéos. Enfin, qui s'en battent les couilles. Donc c'est pas mal, dans le sens où ce que je fais c'est vraiment quelque chose qui ne marche plus sur YouTube. Faut savoir les let's play, tout ça, c'est fini. Moi, ça fait des années que je n'ai pas vu un seul let's play. Je continue parce que ça fait. En fait maintenant, c'est-à-dire que clairement YouTube, moi ça me sert pour vous prévenir quand il y a un stream, parce que vous êtes quand même potentiellement 4200 à pouvoir venir voir. Et ça me sert aussi de moyen de stocker mes streams, parce que c'est des vidéos qui font facile dans les 40 gigas pour chaque stream. J'ai pas 70 000 disques durs de 10 Tera quoi. Donc c'est bon, voilà. Je n'ai toujours aucun revenu de la part de YouTube. Donc clairement les vues, je m'en fous. Par exemple, là, hier j'ai sorti une vidéo de Resident Evil 2 qui fait 3h45, qui a 15 vues. Mais à côté, une vidéo sur Metro Exodus fait 80 vues. C'est à l'époque. À une époque, j'aurais fait des vues pareilles, j'aurais été déprimé parce que je ne faisais pas le stream à côté. Maintenant que je fais le stream, honnêtement, enfin maintenant que je stream à côté, je m'en fous un peu de tout ça. Là, par exemple, j'ai une vidéo qui a fait 1000 vues. Oh, c'est une vidéo de 2 minutes 17 sur Apex qui ne sert à rien. Ah, voilà, cette vidéo, je l'ai faite sur un coup de tête. Elle ne sert à rien, elle ne montre rien.
elle fait 1000 vues, j'ai 5 likes de commentaires. Les gens la regardent, ils disent rien, ils donnent pas d'avis. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, mais même quand je fais des démos DMC5, pourtant, voilà, je fais que 72 vues. Voilà. Je me formalise pas. Je veux dire, à une époque, voilà, vraiment, ça m'aurait saoulé. Là, j'ai préféré, du coup, vis-à-vis du fait que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de vues qu'à une époque. J'avais plus envie de me saouler avec faire des vidéos d'une heure, le temps que ça me demande. Ça peut être con, parce qu'en fait, en soi, voilà, ben, je prends par exemple Shadow of the Colossus, je dépasse jamais les 100 vues. Alors que quand je fais des trucs sur Let's Play, sur Dark Souls, là, je dépasse les 100 vues sur des vidéos qui durent ben, une heure aussi. Hein. Et encore, pas nécessairement. Donc voilà, grosso modo, tout ça pour dire que YouTube, ça me sert vraiment, voilà, à moyen de déposer mes streams. Je vais arrêter tout court les vidéos d'une heure. Je veux juste savoir, voilà, pour les gens qui veulent voir du Sekiro, bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez voir des vidéos d'une heure ou des rediffs de stream de 3 heures. C'est à vous de voir. Tenez-moi au courant. J'avoue que. Ah, j'ai une vidéo qui est bloquée dans le monde entier, je suis en train de voir. La quête du platine de Dark Souls 1, le premier épisode. Oh, c'est dommage. Bref. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez des Sekiro sur une heure ou plusieurs heures, si vous voulez les regarder, si vous voulez suivre le stream. De toute façon, je pense que je vais certainement. Ah d'accord, c'est le morceau Roundabout de Yes. On va supprimer le titre. Donc voilà. N'hésitez pas à venir si vous voulez des vidéos de 1 heure ou 3 heures. On se retrouve en tout cas dans les prochaines. Ah bah impossible de modifier cette vidéo. Merci YouTube. On se retrouve dans les prochains jours pour DMC5. Je ne pense pas restream avant. Je voulais terminer DMC Devil May Cry, mais le jeu botte vraiment beaucoup moins bien que le reste de la série. Donc DMC5, j'espère mercredi, soir, ou jeudi, ou vendredi. On verra selon comment j'ai le jeu. Et après DMC5, il n'y aura pas de jeu à part Sekiro, donc j'essaierai peut-être stream du Apex ou des trucs comme ça qui me font kiffer, on verra. Voilà, je vous dis, bah, j'espère que vous serez nombreux donc le jeudi, je crois que c'est le 21, hein, je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, le jeudi 21. Vraiment, les gars, essayez la soirée, je sais pas, je vais stream, je pense, si j'ai le jeu, imaginons, à 15h, il sera fini de 17h à 3h du mat. Le lendemain, on reprend à 10h. Voilà. Le jeu, certainement, il sera fini le vendredi soir. Hein. Mais, ah oui, je le dis pour ceux qui ont regardé jusque-là, je suis désolé, je m'excuse d'avance. Je suis en train de regarder une vidéo de 2h30 sur Sekiro. C'est la zone de la démo. C'est des gameplays qu'on a déjà vus. Il n'y a pas de. Genre, c'est-à-dire que si j'ai regardé le premier trailer du jeu, pas le premier trailer, mais les premiers gameplays qui sont sortis à l'E3, je me suis pas fait spoiler quoi que ce soit de plus. Sauf des techniques de jeu. C'est-à-dire qu'en effet, alors, il y a un truc que je vais essayer de pas faire sur un boss. Parce que ça a l'air assez craqué. Sur le boss de la démo, il y a une technique. J'essaierai de le faire sans, parce que je trouve ça un peu injuste. Enfin, je me suis un peu spoilé une technique pour le défoncer, en fait. Mais il y a certains mouvements, etc., que je saurais déjà faire à la sortie du jeu. Alors, je ne sais pas si c'est des trucs qu'on doit apprendre avec des compétences ou quoi. Il y a un système de compétences dans le jeu. Mais voilà, là-dessus, je suis un peu désolé. Bon, après, c'est des trucs que je sais depuis le mois de juillet. Alors, je regarde la vidéo, je vois juste donc Ella Jazz, le streamer, que je vous conseille à voir d'ailleurs. Qui perfectionne entre guillemets les hitbox et tout. Ce jeu est un délice de hitbox. Si vous aimez les hitbox dans le jeu vidéo, genre les hitbox qui frôle le personnage chez Kiro, je pense que c'est le jeu le plus précis actuellement. C'est-à-dire qu'avant il fait une technique où il se déplace en attaquant. Donc c'est pas lui qui s'est déplacé, c'est genre dans son animation il se déplace de profil avant de faire un slash. L'épée de l'ennemi est tombée droit devant lui, il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a rien eu, il n'a pas été touché. Et ça se voit sur la vidéo clairement qu'il s'est pas passé à travers lui, c'est vraiment il n'a pas été touché alors que non. Énormément de jeux, quand ça passe aussi près, ça touche. Donc, on va s'éclater, les gars, on va s'éclater. Voilà. Donc, je vous dis à dans quelques jours pour DMC5 et à dans 2 semaines et quelques jours pour le jeu de l'année. Hein, on peut le dire. Concrètement, cette année, The Last of Us 2 ne va pas sortir. Je pense que The Last of Us 2 va être le premier jeu de la PS5. Death Stranding, on n'en sait toujours rien. Donc, là, actuellement, pour moi, le meilleur jeu de l'année, c'est Sekiro. Et Métro et RE2 ont mis la barre très très haut. Métro en russe. Hein. Métro en français c'est 3 sur 10, Métro en russe c'est 9 sur 10. Hein. Les gars, ça change absolument toutes les émotions que vous pouvez ressentir. Donc voilà, si vous jouez à Métro en français, les gars, passez-le en russe. Hein. C'est dans les options. Vous descendez, hop, c'est en russe. Allez, je vous dis à la prochaine, des bisous!